Cette vidéo présente l'installation de base des pompes de transfert de carburant série H de Fill-Rite sur une citerne de transfert de carburant mobile. Pour commencer, mesurez la profondeur de la citerne pour vérifier que le tuyau d'aspiration convient. Le tuyau fourni peut s'utiliser dans une citerne de 20 pouces à 34,5 pouces de profondeur. Si la citerne est trop haute ou trop basse, il vous faudra couper le tuyau fourni ou en acheter un autre. Nous recommandons d'utiliser un tuyau en fer noir de 1 pouce NPT. Coupez le tuyau d'aspiration fourni ou le tuyau acheté jusqu'à 1 à 2 pouces au-dessus du fond à un angle de 45 degrés pour assurer une ouverture dégagée du tuyau d'aspiration. Appliquez ensuite du ruban d'étanchéité sur le filetage. Ensuite, vissez le tuyau dans la bombe d'admission et serrez-le à la main. Avec une clé à tuyau, vissez d'un tour et demi à trois tours supplémentaires pour assurer un serrage étanche. Ensuite, appliquez du ruban d'étanchéité sur le filetage sur la bombe d'admission, puis vissez le tuyau d'aspiration attaché à la pompe dans la citerne. Attachez à présent le levier de commutation avec l'écrou frein fourni. Serrez-le en position d'arrêt. Attachez ensuite la gaine de pistolet à la plaque d'interrupteur à l'aide de la vis fournie. La gaine de pistolet a deux positions de placement possibles. Une fois la pompe montée sur la citerne, desserrez les deux vis pour démonter le couvercle de la boîte de jonction. Veillez à faire câbler les pompes par un électricien agréé, conformément à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux. Les modèles à courant continu comportent deux fils, un noir et un rouge. S'il y a deux fils rouges, veillez à bien retirer le couvercle de la boîte de jonction pour révéler toute la longueur des fils. Les modèles à courant alternatifs ont trois fils, un noir, un blanc et un vert. Le fil vert est attaché à la vis de mise à la terre interne. Une fois que le câblage est effectué et que le couvercle de boîte de jonction est remonté, vous pouvez attacher les accessoires prévus à la pompe. Merci d'avoir visionné cette vidéo d'installation Fill-Rite.